On est aussi toujours en projet de faire jouer un certain nombre de joueurs, que toi, on ne l'attend pas. Et j'ai besoin de savoir si tout le monde est impliqué et la progression que peuvent avoir des joueurs qui jouent peu ou pas souvent par rapport au niveau exigé. Bah, moi, c'était mon objectif. C'est ce que j'aurais dit. Voilà. On a gagné, on a souffert, tant mieux. C'est l'apprentissage. Pour eux, c'était un match d'apprentissage ce soir et je suis ravi pour eux aussi qu'ils en sortent vainqueurs. Beaucoup de changements aujourd'hui, vous ne s'attendez pas. Donc, dans l'axe, surtout en poste, c'est censé être central et d'autres changements aussi. Comment vous pouvez l'expliquer? Je viens d'expliquer. La stratégie, voilà, voir tout le monde. Est-ce que je peux compter sur du joueur ou je peux compter sur 20 joueurs? Quelle est la question? Tout n'a pas été parfait, mais il y a eu beaucoup d'occasions. Je pense que c'est le quatrième ou le dessous. C'est comme ça, c'est l'apprentissage. Moi, je suis content de ce qu'ils ont fait ce soir. C'est aussi de l'audace de la part de l'entraîneur qui s'est posé. Pour faire le tournoi là. Un peu. Encore une fois, réfléchissez bien à ce que j'ai fait. Si dans un mois et demi, on me pose la question, est-ce qu'il faut que je prenne les joueurs? D'accord. Je peux dire oui si je fais continuellement quand je mets les mêmes joueurs. Parce que je n'ai pas de repères par rapport aux autres. Il faut des repères. Si je prends un joueur, il faut que je justifie pourquoi je prends un joueur qui soit meilleur que les autres. Et on a raison. Donc le but du jeu, c'est d'éviter tout ça, d'être correct et droit envers eux. Encore une fois, vous voyez ça d'un point de vue comptable. Moi, je le vois différent. On est toujours dans c'est l'apprentissage, l'événement. Je me constate plein, le stress, l'envie de bien faire. Enfin, voilà, j'ai besoin, les joueurs travaillent bien, tous travaillent bien la semaine. J'ai besoin aussi de le voir en réel le jour du match. Vous parlez de stratégie ou de philosophie? Ce serait plutôt une philosophie qu'une stratégie. Une stratégie, c'est sur un coup. Alors, je crois que ce n'est pas la première fois. Est-ce que cette philosophie ne va pas refléter négativement le fait de changer l'équipe à chaque fois? Est-ce que ça ne va pas donner quelque chose de négatif sur le groupe? Ben non, parce que je suis quand même assez correct pour prévenir les joueurs avant de la façon de voir les choses et les changements que je fais. Ils ont su avant la causerie. Donc j'étais correct et professionnel envers eux, envers Sadou, envers Mehdi, envers Joubac. Ils ont très bien compris. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, le premier qui s'extrait de ça. Si je vais voir qu'il y a un petit événement, on est déjà, quand on a marqué les buts, regarde bien qui se lève en premier. C'est tout le monde. Pour féliciter les joueurs. C'est ça que je veux. Le premier qui reste assis, c'est qui s'enlève tout seul. Quand tu vous permettais, c'est bien de faire tourner son effectif, on est un tiers maintenant. Les joueurs, à quel poste, voilà. Si je peux vous donner des réponses positives par rapport aux joueurs qui jouent peu, moi ça me convient. On voulait juste avoir votre avis proche, parce que ce soir, de nombreux observateurs, tout comme moi, estiment que l'effectif est trop chamboulé ces derniers matchs. Ça, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Mais ça, c'est... Non, mais sérieusement, c'est pas mon souci. Moi, mon souci, c'est de faire progresser les joueurs, de trouver un style avec les joueurs et de gagner des matchs. Aujourd'hui, vous me reprochez d'avoir gagné un match. Si je comprends bien, vous me reprochez d'avoir gagné un match. Moi, je nous avons applaudi la victoire de la JS Kabylie. On voulait juste savoir si vous n'avez pas trop mais, en fait. Mais vous êtes que dans le championnat. Vous n'êtes que dans le comptable. D'accord? Je ne suis pas dans le comptable. Si je dois refaire ça 10 fois, je le referai 10 fois. Vous n'êtes que dans le comptable. Et je le comprends. Je le comprends aisément. D'accord? Ça, je comprends. Vous mélangez. Vous appropriez le comptable, au classement, première place, enfin voilà. Est-ce qu'on doit défendre une première place? On ne défend pas une première place aujourd'hui. On défend un projet. D'accord? J'ai tous les joueurs ici qui ont pratiquement, à part Mehdi, je crois, le reste ont pratiquement 2 ans de contrat. Coach, permettez-moi, on n'a pas parlé de comptabilité, mais de rentabilité ce soir, s'il vous plaît. Oui. Ok, si vous voulez. Ouais. Au moins, on a été efficace. On a pris 3 points. Voilà, ça a été efficace. La plupart des joueurs ont 2 ans de contrat, d'accord? Qu'est-ce que je fais? Je garde 14-15 joueurs, je vais les user jusqu'à la fin,
Et puis, qu'est-ce qu'on va faire en mercato et qu'on va prendre d'autres joueurs? Et pourquoi je prendrais d'autres joueurs alors que je continue à jouer avec les mêmes? D'accord? C'est juste une, c'est la stratégie, la philosophie, comme vous l'avez dit. C'est le projet, il est aussi simple que ça. C'est bien le projet. Si aujourd'hui vous m'en voulez parce que c'est un investissement, vous le savez pertinemment, et vous avez vu quand l'équipe est arrivée, comme tout le monde aurait des doutes. On est d'accord là-dessus, d'accord? Mais si je ne leur laisse pas la chance de jouer et de faire voir de quoi ils sont capables, on va arriver au mercato où il y aura pratiquement 6 ou 7 joueurs qui auront très peu de temps de jeu. Ça veut dire qu'il faudra obligatoirement que je prenne du monde en cas de pépin, en cas de blessure, en cas de suspension. Pourquoi pas le faire maintenant? Je joue sur le fait qu'on n'a pas de pression de résultat. On n'a pas de pression de points. C'est deux choses positives. Pour moi, c'est deux choses positives. On n'a pas l'obligation de résultat. Si on était 12e, 13e, 14e, là, je le conçois aisément. Je n'ai pas de problème là-dessus. Mais pourquoi pas profiter que les choses aillent bien pour un peu modeler, changer et animer tout ça. D'accord? Je sais pas, vous n'êtes pas là dans la semaine, mais je peux vous assurer que tout le monde travaille avec la même intensité. D'accord? Si j'avais que 11 mecs qui travaillaient et les autres qui s'entraînaient, ça serait tellement facile pour moi. Mais c'est pas ça. Les joueurs ont compris dès le premier jour. Je dois respecter ça. Donc, les Dumas, vous êtes dans le. Alexandre Dumas, c'est tous pour un, C'est pas mal. Non, mais. Je m'attendais, je vais me faire un peu taquiner, je l'attendais, mais je sais que c'est difficile pour vous de comprendre. Je sais parce que on continue un peu vite, qui je peux mettre à la place? Qui je peux mettre? Et justement, la place de beaucoup de choses, elle n'est pas. Elle n'est pas, oui, bien sûr, mais elle est pour tout le monde, même pour le gardien, elle est pour tout le monde. Vous avez l'impression, on dit que c'est le coach, vous décidez si vous le reprendre pour l'équipe première, oui. Ou pas. Je ne sais pas, moi je ne suis pas le président. Non mais disons qu'on vous laisse à l'issue de la commission de discipline. Je ne suis pas le président. À l'issue de la commission de discipline, on dit que maintenant il a été sanctionné. Non mais je vous reste. Ah d'accord, donc finalement. Il reviendra, moi j'avais dit qu'il reviendrait après les deux matchs, le 5 et le 9. Donc il reviendra dans le fait. Donc vous êtes un petit peu habitué à discuter en tête à tête. Est-ce que quelque chose vous allez le prendre en aparté et discuter assez longtemps avec pour pouvoir voir vos scénarios? Vous croyez que je ne l'ai pas fait depuis le début de saison? Il va revenir, d'accord? Je pense qu'il va faire un prochain pas. C'est la meilleure attitude à avoir. Il va retourner le boulot. Qui se met dans le boulot déjà, on va le comportement qu'il va avoir, et après là, oui, on aura, je pense, une discussion par rapport à son autre. Vous allez avoir une période, vous allez souffler un petit peu jusqu'au. Il y a une petite trêve, comment est-ce que vous rentrez un peu la gêner? Est-ce qu'elle est bénéfique, elle est bienvenue pour vous? Non, deux matchs, on est en 4 jours, oui, c'est forcément bénéfique. Voilà. C'est forcément bénéfique. Donc, on va laisser les joueurs mercredi, jeudi, reprise vendredi. Voilà. Pas de match amical en perspective? Justement travailler dans ce sens? Jamais. Peut-être que vous auriez changé d'avis depuis? Jamais. Vous allez vous corriger. Pour l'instant, vous ne pensez pas encore au mercato, les postes à pouvoir. Ouais, en fait, je préviens au lieu de guérir. Voilà. Je fais de la prévention. Est-ce que j'ai besoin de tel poste? Non, pas forcément, je vais. Il faut lui donner un peu plus de jeu, un peu plus de temps de jeu, plus de confiance. Il va s'aguerrir. Le jeu, il est là. Aujourd'hui, la question va se poser. D'accord? Il faut que j'ai des réponses. D'accord? Les réponses, c'est ce que j'ai dit aux joueurs à la causerie. J'ai dit, les réponses, c'est vous qui allez les donner. D'accord? Maintenant, vous pensez que c'est de la pression. C'est de la pression, mais elle est positive. Parce que aujourd'hui, ça marche. Donc profitez du fait que ça marche pour donner ce que vous avez.
C'est bon. Coach, on s'est, s'il vous plaît, on s'est inquiété de M. Dumas dans la mesure où on débute le match. Vous avez donné une dizaine de minutes pour faire votre apparition. Juste une interrogation. Il y avait un petit problème là-haut. On va dire comment nous avons fermé dans le vestiaire. Non, pas du tout, justement. Le problème, c'est que le vestiaire était grand ouvert. Et ça ne m'a pas plu. Voilà. C'est pour ça. Chercher quelqu'un pour fermer la porte, il n'y avait personne. Donc, merci beaucoup. Allez, c'est bon, merci. Coach, là, maintenant vous avez une idée très précise sur votre équipe. Non. J'ai une idée, mais c'est pas précise encore. Mais le plus important, non, pensez-vous, coach, que cette équipe que vous avez en main peut-être jouer le podium? Laissez tomber la question. Ça a combien de maintiens en Algérie? 36 points. 36 points. Et vous avez encore 14 points. 14 points. Pour le maintien. Il reste pas beaucoup, coach. D'ici la fin, vous pouvez terminer 28-30 points. Dès la fin d'année. Ça, c'est votre petit côté journaliste, je me laisse. Ce ne sera pas pour moi, ça. Laissons l'équipe travailler, laissons les joueurs travailler. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que du bonus. D'accord ? Je vous mets au défi tous que vous êtes là. Si vous auriez parié au début de saison, sur nous, je ne crois pas. D'accord ? Donc vous, comme nous, aujourd'hui, c'est que du bonus. Profitez, bien sûr. Tout ne sera jamais parfait, peut-être une fois de temps en temps, d'accord? Mais ils bossent. Et si on vous dit qu'il y a une préparation de Dumas, que ressort Franck Dumas de se savoir dans le top 7 des équipes invaincues dans le monde entier? Moi, je regarde les autres championnats, mais je regarde pas les résultats. Je regarde pas c'est ça. Merci. Merci.